Alors Pascal Boyer, l'eau, et oui, l'eau, l'eau, une ressource à protéger aussi en Nouvelle-Aquitaine. Déjà, comment est-ce qu'on peut classer l'eau comme ressource renouvelable ou inépuisable ? Je dirais que l'eau est un élément essentiel à la vie. Le qualifier de ressource lui donne tout de suite une connotation financière, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel à la vie. Et effectivement, il faut la gérer, la protéger, organiser, je dirais, toutes nos activités autour de cette eau qui n'est pas inépuisable, comme vous l'avez dit. Alors, on va tout de suite regarder une petite vidéo et puis on continue à parler de tout ça juste après. Regardez. Ah, ferme le robinet ! Oh, ça va ! Notre mode de vie extrêmement consommateur fait que nous utilisons quotidiennement 160 litres d'eau. Pour économiser l'eau chez vous, regardez tout d'abord l'état de vos canalisations et robinets. Stop aux fuites. Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu'à 120 litres par jour. Fermez effectivement le robinet pendant le brossage des dents, le nettoyage des mains ou le rasage. Évitez de laisser couler inutilement l'eau pendant la vaisselle. Privilégiez la douche par rapport au bain. Une douche de 5 minutes, c'est 80 litres, alors que le bain, c'est 150. Le lavage de la voiture, 200 litres. On évite ou on y va à l'éponge. Limiteur de débit et de pression, système d'économie de chasse d'eau, mais aussi lave-linge ou lave-vaisselle classé A, sont autant d'éléments qui limitent le gaspillage d'eau. Pour ceux qui habitent dans des maisons, utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage, c'est excellent. Question pollution de l'eau, on évite de déverser dans l'évier tout ce qui est chimique, à commencer par les médicaments, car les stations d'épuration ne supprimeront pas leur toxicité une fois relâchées dans les cours d'eau. On ne jette pas non plus au lavabo les huiles et les graisses. Pour préserver l'eau, faut un peu se mouiller. Alors, on va parler dans quelques instants de qualité de l'eau, mais on va déjà parler de quantité et disponibilité de l'eau. Alors, c'est vrai que chez nous, en France et en Nouvelle-Aquitaine, pendant longtemps, l'eau n'était pas vraiment un sujet, Pascal. C'était open bar. Ça y est, c'est terminé, ça ? Écoutez, oui, il faut l'espérer. Pourquoi ? Parce que cette ressource, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas inépuisable. On consomme tous les jours une certaine quantité d'eau. Alors, on a vu dans le reportage des gestes simples qui permettent de faire des économies. On peut d'ailleurs transposer ça à l'échelle industrielle, dans l'entreprise, dans l'industrie utilisatrice de l'eau, que ce soit aussi bien des papeteries que de l'industrie chimique ou pharmaceutique. On peut aussi le transposer à l'échelle de l'organisation dans une collectivité. Il faut effectivement économiser cette ressource, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Si je regarde un petit peu sur la Nouvelle-Aquitaine, dans la partie, on va dire, qui concerne une grosse partie de la Garonne, c'est-à-dire les trois quarts de la région, on consomme à peu près 800 millions de mètres cubes par an. Mais dans les années à venir, ces 800 millions de mètres cubes seront toujours là et on estime qu'on aurait besoin de 250 millions de mètres cubes en plus. Alors que fait-on ? On construit de nouvelles réserves ou on gère mieux l'eau de manière à bien la partager. Alors comment mieux gérer l'eau, on va en parler, mais déjà revenons sur le constat, on l'a constaté surtout, j'ai l'impression moi cet été avec une sécheresse quand même très importante, et là on a vu des situations dans certaines parties de cette grande région Nouvelle-Aquitaine où on était près de la catastrophe quand même. Et je pense notamment près de Guéret à l'étang de Courty, où là on a dû prélever de l'eau de l'étang pour pouvoir approvisionner les habitants de Guéret en eau potable, c'était juste incroyable. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas la période que nous vivons actuellement qui est relativement pluvieuse, qui doit nous faire oublier, c'est vrai, ces deux mois, finalement très courts, dans une année, c'est deux mois, mais qui ont amené des grandes difficultés quand on est arrivé au début septembre dans certaines parties de la région Nouvelle-Aquitaine. C'était quasiment, du jamais vu, quoi. Ça s'est déjà vu quelquefois en 76, mais ouais. Disons que par-dessus sont passés beaucoup d'étés pluvieux et que finalement, au bout du compte, on se dit, parfois, l'exception ne revient pas très très souvent, ce qui n'est plus le cas avec le changement climatique. En tout cas, il y a une prise de conscience quand même quand on voit ces images de l'étang de Courty et dont on prélève cette eau pour peut-être la distribuer aux gens et la rendre potable et la distribuer aux gens. Là, les gens ont pris conscience quand même de cet enjeu de protection et de mieux gérer l'eau. Tout à fait. Il faut prendre conscience, mais il faut que cette prise de conscience soit accompagnée derrière de mesures durables. Autrement dit, il va falloir organiser cette gestion de l'eau, la distribution de l'eau, ce partage de l'eau, mieux mobiliser les ressources, plus économiser, lutter contre les fuites, etc. Et ça, c'est le travail, je dirais, de toutes les communautés, toutes les collectivités et de ceux qui travaillent pour elles, d'aller vers cette meilleure gestion qui permet de faire face... Et pour éviter aussi les conflits d'usage, parce qu'on voit entre les agriculteurs, les particuliers, les collectivités, dès qu'on manque d'eau, il peut y avoir conflit d'usage.
Ah, tout à fait. Si je regarde la Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 50% de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture et le reste aussi bien pour l'industrie que pour les usages quotidiens, c'est-à-dire pour le lavage, la cuisson, etc. Alors, cela dit, ce n'est pas réparti de la même façon dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Quand on regarde le nord de la Nouvelle-Aquitaine, grande disparité, effectivement, si on regarde l'Aix-Limousin, on est plutôt à 20% pour l'agriculture, le reste pour les autres usages, alors que quand on regarde sur l'Adour ou du côté de Mont-de-Marsan ou sur la partie niortaise, on est plutôt à 70% d'utilisation pour l'agriculture. Donc déjà des territoires différents et avec, vous l'avez dit, une problématique de partage. Alors, partager un gâteau, quand on est trois, ça fait trois parts. Si on a le même gâteau pour le partager en quatre ou en cinq, et si on a encore plus d'appétit, là, ça commence à poser quelques problèmes. Donc, effectivement, c'est tout un tas de pratiques qu'il faut revoir. On a parlé de l'individu, je viens de parler des industriels, mais il faudra voir aussi comment mieux organiser les pratiques agricoles pour que tout le monde y trouve son compte, les agriculteurs vivent, et tout le monde puisse partager cette ressource qui n'est pas inépuisable. On va écouter le témoignage d'une téléspectatrice, c'est Marianne qui va totalement dans ce sens-là. Sur les 100% d'eau présente sur notre planète bleue, seuls 3% représentent l'eau douce. Et sur ces 3%, seul un petit pourcent représente l'eau douce qui est disponible pour 7,7 milliards de terriens. Alors chaque jour, dans notre quotidien, recycler, acheter d'occasion, acheter reconditionné, garder nos objets, nos vêtements plus longtemps et aussi consommer moins, eh bien c'est une merveilleuse manière de protéger des milliers de litres d'eau tous ensemble. Alors consommer moins d'eau, hein, c'est peut-être aussi ça l'enjeu. Il y a aussi beaucoup de consommation d'eau d'une façon indirecte, je pense à l'industrie textile notamment, à l'alimentation, à l'électronique, on n'y pense pas forcément tous les jours. Mais c'est vrai que si on regarde la consommation finalement totale de l'eau, il y a l'eau que l'on utilise réellement, que l'on voit couler au robinet, que l'on voit servir pour l'irrigation, mais il y a toute cette eau que l'on ne voit pas, que on appelle l'eau virtuelle, c'est le terme consacré. Cette eau virtuelle, ben vous, j'ai une veste, je suis habillé, cette veste, elle représente 100 litres d'eau. Mmh. En Limousin, on connaît la porcelaine, une tasse, c'est 80 litres d'eau. C'est toute l'eau qui a été nécessaire les pour jeans, la fabriquer. Les jeans, je crois que c'est 10 000 litres d'eau pour un jean. C'est énorme, effectivement, ouais. Entre le lavage, la teinture, etc. Donc toute cette eau-là, elle fait partie d'une consommation, quelque part, que l'on ne voit pas, mais qui existe. D'ailleurs, on peut se poser les questions. On fabrique dans des pays qui manquent d'eau et qui ont de la main-d'œuvre finalement moins chère. Donc, on va dans des pays, finalement, même déjà où l'eau est rare et on utilise de l'eau pour produire des produits que l'on va ensuite importer en Occident. Ce qui pose quelques problématiques qui dépassent d'ailleurs le simple programme de l'utilisation de l'eau. Mais effectivement, toute cette eau-là, elle existe. C'est une grosse quantité d'eau au final. C'est votre job aussi de sensibiliser les particuliers et les entreprises, etc., à cette consommation, à baisser cette consommation virtuelle ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de tous les jours. Même dans des pays, d'ailleurs, où on ne manque pas d'eau. On parle de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ma part, je vais très, très souvent au Canada. Tout à l'heure, dans le reportage, on a entendu 1% des réserves en eau sont mobilisables. Mais il faut savoir que 30% de ce petit pourcent, c'est-à-dire un tiers, se trouve au Canada. Alors, on pourrait penser que les ressources en eau sont inépuisables, qu'on peut faire ce que l'on veut. Eh bien, non. Elles sont plus ou moins polluées. Elles sont rare à certains moments de l'année aussi. Donc effectivement, on doit sensibiliser tous ceux qui en manquent, mais croyez-moi que ceux qui en manquent sont sensibilisés. Mmh. Quand vous allez au Moyen-Orient ou ailleurs, ils sont déjà sensibilisés. Nous utilisons 150 litres par jour. Dans ces pays-là, c'est plutôt 2 à 3 litres. Mmh. C'est presque à peine le minimum vital. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire dans beaucoup de territoires. Et en termes de qualité de l'eau, on a aussi des choses à faire, et même nous particuliers, et c'est le sens du témoignage d'un autre téléspectateur, c'est Fabrice, qu'on écoute tout de suite. Un des gros problèmes de l'eau aujourd'hui, en fait, c'est qu'elle est polluée par les produits chimiques qui sont contenus dans les produits cosmétiques et puis dans les produits d'entretien qu'on utilise au quotidien. Il faut savoir qu'en moyenne, on utilise une dizaine de produits cosmétiques par jour et qu'eux contiennent une quarantaine de substances chimiques différentes. Et ça, nos stations d'épuration ne sont pas toujours en mesure de les traiter et du coup, c'est des substances qui se retrouvent directement dans l'océan. Donc pour pallier à ça, moi je vous invite à utiliser des cosmétiques faits à la maison avec des produits respectueux de l'environnement et de votre organisme, idem pour les produits d'entretien.
Alors Fabrice, en gros, nous dit qu'on a tous notre rôle à jouer. Vous êtes d'accord avec lui, Pascal ? Tout à fait. Fabrice parle des produits chimiques qui sont liés à l'utilisation cosmétique, mais on pourrait aller plus loin. On a vu aussi tout à l'heure qu'on utilise des médicaments, et tant mieux d'ailleurs, ça nous permet de se soigner lorsqu'on a certaines maladies, effectivement. Mais ces médicaments aussi, on les consomme. Alors, on ne les jette pas, évidemment, dans la chasse d'eau, mais par contre, on les a consommés, notre corps humain les a consommés, va rejeter un certain nombre de choses. Alors, tous ces produits-là, effectivement, ouais. C'est peut-être là aussi un changement de nos habitudes, de nos pratiques, de nos utilisations, pour moins consommer de ces produits qui induisent derrière des pollutions sur l'eau et qui nécessitent des traitements spécifiques qui font que l'eau est plus difficilement mobilisable, que les traitements coûtent plus cher et que l'accès à l'eau est plus difficile. Pour conclure, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, ça s'organise un peu en Nouvelle-Aquitaine, grâce notamment au pôle environnement que vous présidez, oui. Pour sensibiliser justement tous les acteurs à cette consommation d'eau. Tout à fait, on est en train de fédérer, je dirais, tous les acteurs de l'économie circulaire, de la biodiversité, du changement, je dirais, de pratiques, grâce à ce regroupement, d'une part, de ceux qui sont innovants, les industriels, les TPE, PME, de ce tissu local, pour les faire travailler, discuter, échanger, aussi bien avec les acteurs de la recherche, qu'il y a aussi bien à Bordeaux, à Limoges ou à Agen, d'ailleurs, sur le changement climatique, qu'avec ceux qui sont des demandeurs de solutions, qui sont aussi bien les entreprises utilisatrices de l'eau, que les collectivités, les villes, les petites communes, que les agriculteurs. Et en essayant de mettre tout ce monde autour de la table et en discutant, en échangeant sur des nouvelles technologies, sur de l'innovation, sur des changements de pratiques, sur des meilleures organisations et des gestions de l'eau différentes, mais on espère faire face aux défis du changement climatique. Et oui, je vous sens optimiste, ça fait plaisir. Ah non, mais c'est pas toujours le cas quand on parle changement climatique, etc. Hein. Bon, on s'est suffisamment lamenté, on se lamente suffisamment, mais prenons du temps pour agir. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Pascal. Si vous voulez réagir, témoigner, c'est votre émission, bien sûr. Donc, il faut vous en emparer. Vous nous contactez au 0805 383 383. Vous pouvez aussi nous laisser des messages via les réseaux sociaux et via la page Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux.